Le Cadre Noir, c'est un endroit mythique. Il y a une histoire, il y a une empreinte, il y a une image, il y a même une atmosphère. Avec le Cadre Noir, c'est presque une histoire familiale, puisque mon père militaire servait à l'école de cavalerie en 1968. J'avais donc 5 ans. L'origine, c'est 1825, c'est après les guerres napoléoniennes. On forme le corps des instructeurs d'équitation. C'est ce qui est devenu le Cadre Noir. On prend la ligne du milieu, et sur la ligne du milieu, incurvé à gauche, on fait un travers. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Cadre Noir passe sous tutelle de la Jeunesse et Sport. On forme l'École nationale d'équitation, une mission donc de formation. Et effectivement, la priorité, ce sont les professionnels de l'équitation. Et donc, tout le challenge, c'est de trouver cet équilibre entre cette tradition et la modernité. Donc là, colonel, on va installer les étriers et les capteurs d'étriers, là, avec les capteurs de rêve. Le Cadre Noir a toujours été à la pointe des progrès équestres. Donc, quand on a basculé vers le sport, pareil, le sport, là, on cherche la performance. Pour chercher la performance, on va toujours aller chercher le détail qui fera gagner, ou la technologie qui va vous aider. Alors, ce n'est pas la fonction première de l'école, mais on a des gens, oui, au top niveau mondial. C'est une maison qui permet vraiment de travailler dans d'excellentes conditions, qui est pleine d'histoire. Donc, je dirais que c'est une maison où on prend le temps, où on a le temps de faire les choses bien pour les chevaux. C'est beaucoup de fierté d'avoir ce poste. Et puis, c'est un réel plaisir d'être au contact des chevaux et des gens qui aiment les chevaux.